Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo présentation donc d'un mini album que je viens de terminer pour ma d'été donc de La Bulle à Scrap. Donc je vais vous le présenter et après la vidéo, j'ai des petites choses à vous dire concernant ma dernière vidéo YouTube et les commentaires que j'ai eus. Donc je vous parle de ça directement après ma présentation. Donc du coup, il y a mon petit chien qui est venu sur mes genoux, donc il vous fait un petit coucou aussi. Voilà, donc c'est un mini-album donc que j'ai réalisé avec les papiers de chez Prima de la collection Georgia Blue. Donc c'est un mini-album tout simple, un mini-album enveloppe. Donc c'est surtout la couverture qui est intéressante parce que je vais dire l'intérieur, tout le monde connaît donc les mini-albums enveloppe. Donc là, j'ai utilisé donc un montage en volume, comme je fais d'habitude. J'ai usé les papiers, j'ai mis les fleurs Prima, j'ai mis de la gaze pour donner un petit peu de texture différente. J'ai utilisé les petits tickets de la collection, papillons. J'ai rajouté des morceaux de papier là en dessous que j'ai déchiré. J'ai mis des petites gouttes de Enamel Dots, donc de la marque Nouveau. Voilà, donc ça c'est la couleur caramel pour celles qui veulent savoir. Parce que bon, la fois dernière, je sais plus ce que j'ai utilisé, donc je ne savais plus répondre à la personne qui m'avait demandé les deux couleurs que j'avais utilisées sur ma création parce que j'en ai tellement que je ne fais pas toujours attention à ce que j'utilise quand je fais quelque chose. Et donc là, je ne savais plus donner des couleurs. Mais ici, c'est la couleur caramel. Donc, elle donne un très beau résultat, un peu nacré comme ça. Donc, les petites feuilles ici, je les ai enduites avec de la wax. Et puis, j'ai mis un petit peu de paillettes dessus. Voilà, simplement. Donc, l'intérieur, je vais vous quand même vous le montrer. Et là, j'ai mis des petits coins aussi pour renforcer un petit peu et pour donner un petit côté un peu métal et comme c'était des dorés, ça allait bien avec le papier. Alors l'intérieur comme ceci. Là, on a une carte comme ça qui vient se glisser à l'intérieur. Donc là, j'ai encore rien mis. Hein. Donc là, je pourrais mettre encore un papier et mettre pour pouvoir mettre une photo. Donc les cartes, elles se glissent comme ça dedans. Simplement, c'est les cartes de chez Action, ça. C'est des cartes enveloppes de chez Action, elles sont très bien. Donc voilà, de toute façon le papier il suffit à lui-même, hein. Il est tellement beau que... Voilà, donc là j'ai fait une petite pochette déchirée, donc là on peut y mettre une carte ou autre. Voilà, donc là toujours avec la carte qu'on peut enlever. Voilà, et ici j'ai encore fait une petite pochette de coin déchiré, donc pour aussi y mettre un petit livret, une photo ou autre chose. Et le dos, il est comme ceci. Voilà. Donc un mini album tout simple, hein, mais bon, j'avais envie de réaliser un mini album enveloppe. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je trouvais que c'était sympa à faire. Donc voilà. En plus, les papiers, là, je les adore, donc ils sont trop trop beaux. Voilà, donc. Vous me direz ce que vous en pensez donc en commentaire. Donc je l'ai posté ce matin donc sur le blog de la boutique de la Bulle à Scrap et sur mon Facebook normal. Donc voilà, les personnes qui l'ont déjà vu, ont déjà eu l'occasion de le voir, ont déjà fait deux trois petits commentaires, donc c'est sympa. Et voilà, donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas surtout donc à me poser donc vos questions en commentaire. Voilà, alors une petite parenthèse concernant donc ma vidéo sur mon kit de février. Alors j'ai une personne qui s'amuse à me mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. Bon, c'est vraiment minable hein, de sa part. Donc la personne, elle s'appelle Sweet Lovely. Je l'ai déjà bloquée et signalée sur YouTube, mais elle arrive encore à mettre des commentaires via vos commentaires à vous. Donc c'est vraiment vicieux de sa part, hein. Elle essaye de me déstabiliser, de vous déstabiliser aussi, hein, d'être un petit peu, enfin de saboter ma boutique en gros. Ben, autant vous dire qu'elle n'y arrivera pas. Maintenant j'ai des personnes qui sont derrière moi, j'ai des personnes qui ont confiance en moi. Maintenant je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à montrer.
Donc, je suis pas du tout dans l'illégalité. Hein. Je sais pas où elle va pêcher ça, mais bon, franchement, les ventes illégales, je mets pas de la drogue dans vos colis, hein, donc faut arrêter les conneries, hein, clairement. Donc, me traiter de voleuse, d'arnaqueuse, etc., c'est pas du tout mon style. Je pense quand même que mes kits sont au prix de 20 euros. Ben, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui vendent des kits à ces prix-là. Maintenant, je ne suis pas revendeuse de la marque Prima, que ce soit bien clair. Je fais des kits avec des différentes collections, oui, de Prima et autres aussi. Hein. Il n'y a pas que Prima. Je fais principalement du Prima, mais il y a aussi du Kaisercraft. J'ai travaillé avec les papiers de chez Scrap Didi. J'ai travaillé avec les papiers de, je vais travailler avec les papiers de chez Lorelai Design. Il n'y a aucun souci. Enfin, je vois pas vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche à faire, hein, soi-disant que je suis malhonnête, malhonnête de quoi, j'en sais rien. Mais bon, si ça lui pose problème, si les gens ne veulent pas acheter chez moi, je n'oblige personne à acheter chez moi, mais bon, qu'elle arrête clairement d'emmerder les gens, c'est franchement ridicule de sa part. Mais bon, c'est triste, mais il y a des personnes qui suivent, hein, ça. Donc bon, je trouve ça vraiment méchant. Je lui ai rien fait. En plus, elle ne me connaît pas. Donc, elle se permet de dire que je n'ai pas de contact avec des fournisseurs, que j'ai ici, que j'ai là. Elle n'en sait rien. Elle ne me connaît pas. Elle ne connaît rien de ma vie. Donc, c'est très facile de se cacher derrière un pseudo. Moi, j'ai rien à cacher. Déjà, je montre mon visage. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Et en plus, je mets mon nom et mon prénom. Donc, j'ai vraiment rien à cacher par rapport à elle. Donc, derrière un pseudo, c'est très facile de critiquer. C'est très facile de dire des méchancetés comme ça à tort et à travers. Elle ne connaît rien du tout de ma vie, donc je vois vraiment pas pourquoi elle se permet de faire ça. Donc je voulais juste mettre des petites une chose au clair avec vous, parce que bon, je n'aime pas j'aime pas faire ça, hein, j'aime pas me justifier comme ça, mais bon, je veux quand même vous dire que ma boutique elle est tout à fait légal, hein, il n'y a pas de problème. Donc je comprends pas pourquoi elle dit ça, et je n'ai aucun document à fournir par rapport à Prima ou quoi que ce soit, hein. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie, je sais pas où elle a été sortir ça, mais bon, enfin bon, si elle, ça l'amuse, tant mieux, hein. Si elle n'a que ça à faire, eh ben, tant mieux pour elle. Moi, j'ai pas que ça à faire de mes journées, donc ben voilà, maintenant si... Voilà, je voulais juste vous dire aujourd'hui, je ne vous montre pas ma tête parce que j'ai eu un week-end très chargé. Donc du coup, je ne vous montre pas ma tête. Mais voilà, donc je voulais simplement vous dire, donc si vous avez des questions par rapport à mes kits, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, moi je vous répondrai sans problème. Mais je voulais simplement vous demander aussi, si vous l'avez encore en commentaire en dessous des vidéos, le plus simple, c'est de la bloquer, de la signaler sur YouTube, et au plus de monde le fera, au moins elle continuera à le faire. Maintenant, de toute façon, si elle continue à m'ennuyer de la sorte, j'irai plus loin, je porterai plainte, parce que c'est vraiment... Elle atteint là ma vie privée, elle atteint ma boutique, elle a pas le droit de faire ça, donc c'est de la diffamation, donc il y a aucun souci. Moi, je connais plein de gens aussi, donc ça va aller très vite. Elle est très mal tombée. Je suis pas quelqu'un qui me laisse démonter facilement, je ne me laisse pas du tout faire. Elle est vraiment très très mal tombée. Donc voilà. Donc je voulais simplement mettre ces petites remettre les pendules à l'heure. Hein. Donc Sylvie, vous en avez déjà parlé hier lors de la présentation du kit de février, et elle avait déjà un petit peu parlé de ça. Donc voilà. Franchement, il y a aucun souci là-dessus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent de toute façon, hein, mais bon, je voulais quand même m'expliquer un peu là-dessus, parce que je n'ai pas non plus me laisser dire et laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, je n'oblige personne à acheter mes kits, hein. Si vous trouvez que c'est trop cher, eh bien voilà, n'achetez pas chez moi, il n'y a aucun souci. Mais bon, un kit prend beaucoup de temps à faire également, donc je vais passer en 2 minutes, hein, donc maintenant... mis à part les collections de papier, je mets plein de choses qui sont raccord avec les collections. Donc pour vous présenter un kit, je vais dire harmonieux. Donc je vois pas du tout où est le problème, hein. Donc mais bon, enfin voilà, soit cette personne-là, elle s'amuse à continuer à m'ennuyer, voilà, elle entendra parler de moi encore longtemps.
Voilà. Donc, j'ai tout dit. Donc, voilà, la petite parenthèse est terminée. Donc, moi, de toute façon, je vous retrouve fin de semaine ou plutôt début de semaine prochaine pour vous présenter donc les kits de chez Lorelei Design parce que je vais recevoir mes papiers cette semaine-ci. Donc, il y aura les deux collections Parfum de Rose et la collection Il est temps. Donc, ces deux collections de papier-là donc feront l'objet de deux nouveaux kits que je vous présenterai donc la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un bon lundi et je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.